culture. En fait, le SPVM de Montréal déteste le COBP. Puis ça, ça se traduit entre autres par du harcèlement envers des militants connus par les policiers. Ah, les méchants du COBP qui essayent d'aller à l'encontre de nous qui sommes les protecteurs du système. Alors, c'est pour ça qu'on a un certain besoin d'anonymat pour pouvoir continuer à agir à l'encontre du système répressif de la police et de pouvoir aider les différentes victimes qui en souffrent. Ils ont tout à fait raison, mais c'est tout à fait scandaleux en même temps qu'ils soient obligés de le faire, tu vois. C'est pas normal d'être obligé de se cacher de la police quand elle est supposée nous protéger. Il y a des années où les organisateurs ont été arrêtés, mis dans des autobus et ils suivaient en fait la caravane de la police. Ils n'ont même pas reçu d'accusation suite à ces interpellations-là, donc... Ce qu'on essaie de faire, c'est déjà à la source d'enlever les individus qui représentent un danger pour la journée et on les détient jusqu'à la fin de la manifestation. Les policiers qui identifient des gens à l'organisation de la manifestation les neutralisent, on peut dire, sans raison, sinon de désorganiser l'organisation. Du monde entre nous autres, on a déjà pogné des contraventions ridicules, puis s'est fait chier par des policiers juste parce qu'ils nous connaissaient. Le profilage politique, c'est simple. C'est comme le profilage racial et comme le profilage social, c'est que la police, elle intervient pas parce que à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es ou qu'elle pense que tu es. Donc c'est parce que t'as la couleur de la peau de la mauvaise couleur aux yeux de la police, ou parce que t'as l'air pauvre, ou parce que t'as la mauvaise idéologie politique, t'as les mauvais drapeaux. Il y en a du profilage, les policiers font tout ou à peu près pour empêcher les manifestations, pacifiques ou non, d'avoir lieu. On est des bons policiers, on est pour les manifestations, les gens ont le droit de manifester, c'est juste cette manifestation-là, qui est par ailleurs, par hasard, une manifestation qui critique la police, ben celle-là, on l'aime pas. Pourquoi qu'on est cagoulé aujourd'hui, c'est juste pour pas rajouter un système de fichiers au SPVM. On peut dire que c'est devenu une tradition du printemps à Montréal. La manifestation contre la brutalité policière a encore cette année fait place à de la casse au centre-ville de Montréal. Quel est le bilan? Quel bilan peut-on tirer de cette soirée? Ben, comme déjà, on n'organise pas juste la manif du 15 mars, on organise souvent une semaine contre la répression policière. Les médias n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils sont sur l'événement, ils ne voient que l'événement. Et ils pensent toujours que la police a raison. Le COBP, ça existe depuis 1995 ici à Montréal. Les journalistes sont toujours pressés. Il y avait une grosse manifestation contre un groupe d'extrême droite, Human Life International. Je veux pas nécessairement tous les blâmer. Ils travaillent comme des fous, puis ils travaillent vraiment très vite. Certains manifestants qui ont été arrêtés se sont réunis comme comité de défense pour assumer leur propre défense. Alors, la chose la plus simple à faire, c'est nécessairement d'aller voir le policier, d'y demander sa version des faits et de la copier-coller. Mais ils se sont vite rendu compte qu'il y avait un grand besoin de s'organiser spécifiquement autour de la question de la brutalité policière. Ensuite, les policiers, malheureusement, comme tout le monde, écoutent beaucoup trop la télé. Donc, eux aussi sont bourrés de préjugés. Donc, eux aussi, et ils sont comme les producteurs et les réceptacles des préjugés. On n'a qu'un cas qui a été signalé où c'est un RBG, le Rubberball Blast Grenade, qui est la grenade de caoutchouc noir molle qu'on a vu tantôt, où ce qu'elle s'est séparée et la partie inférieure a été dans le visage d'un manifestant. Ce qui a blessé le manifestant, c'est le fait qu'il portait des lunettes. On fait des ateliers de droit juridique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un collectif comme le collectif opposé à la brutalité policière, qui est un tout petit collectif qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui a pas de ressources, qui a pas de local, qui a pas de téléphone, c'est tout croche, ils font des brochures, ils vont chercher un peu d'argent en faisant des shows de hip-hop, des shows punk, ils font 2-3 t-shirts, ils ramassent de l'argent comme ça. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. On fait aussi un travail de mémoire pour rappeler les gens qui ont été tués injustement par le SPVM, mais par toutes les corps de police. Personne mérite d'être brutalisé, battu à mort, d'être fusillé, électrocuté dans l'impunité la plus totale. Aucun journaliste pose jamais une question sur le sens même de la journée, de la manifestation. À chaque fois que la police tue un citoyen, c'est un assassinat politique, parce que ces assassinats-là se font avec la complicité des collègues des policiers, des corps de police, de la direction de la police, des médias de masse, puis des gouvernements
puis aussi de l'appareil judiciaire. Fait que nous, on fait un travail de dénonciation. Mais c'est ça le thème de la manifestation. Ils arrivent à faire la manifestation la plus réprimée à Montréal. Ils font des vigiles, ils font des sites internet, ils font des publications, ils font des formations, ils font de suivi individuel. Ils ont pas de ressources. Ils font ça bénévolement. Qu'est-ce qu'ils vont dire les journalistes quand les policiers vont leur dire on interdit la manifestation parce que l'ambiance semblait agressive et on considérait qu'il y avait peut-être danger pour... là, ils vont inventer quelque chose pour les personnes âgées, les handicapés, les garderies du coin, parce que évidemment, c'est toujours les citoyens ordinaires, hein, c'est pas les banques qui sont visées par les actions directes. Qu'est-ce qu'ils vont répondre ces journalistes? Ils vont dire, ah ben les policiers ont dû interdire la manifestation parce que le ton des slogans était trop agressif. C'est pas seulement qu'on accepte le fait qu'ils sont forcés d'intervenir, mais qu'ils sont toujours forcés d'intervenir de la manière qu'ils interviennent. Lorsqu'on entendra ça à la télévision, ça va être parce qu'on est dans un état policier. C'est pour ça aussi qu'on dénonce les abus et l'impunité, entre autres avec le 15 mars, mais aussi tout au long de l'année, en diffusant de l'information, des journaux, des choses comme ça. Quand même, hein, c'est pas rien. Merci, merci. Cette année, notre thème, c'est la militarisation du corps policier. Today, the big picture salutes the Canadian Army and brings you a report on its distinguished past and its dynamic present. With me here, le CUBP. And what of your assignment? Je suis professeur à l'Université du Québec. Proud of its past and dedicated to a vital role in its country's future. Le rapport entre l'armée puis la police, il est vraiment vieux. Historiquement, la police a toujours été une force colonialiste. La GRC, la Gendarmerie royale du Canada, c'est elle qui a conquis l'Ouest, en fait, qui a conquis les terres des Autochtones. Ben moi, quand Francis m'a invité à écrire un article sur l'histoire de la police, plus précisément sur l'histoire des agents infiltrateurs. Puis au début, je suis parti avec mes préjugés, en me disant, ben c'est évident que l'histoire de la police va suivre l'histoire des mouvements de contestation, de la révolte, va toujours être le pendant négatif ou positif, selon le point de vue qu'on est, de la révolte, puis des bouleversements sociaux. La police, en soi, c'est une institution paramilitaire. Puis je me disais, ben là, je me dis, calme-toi avec tes préjugés d'anarchiste, lutte de classe et tout, tu vas trop loin. Il y a une guerre en ce moment là dans la rue, puis c'est une guerre contre les pauvres, les marginaux, puis les gens qui contestent l'ordre établi. Pour finalement me rendre compte que j'avais bien raison dans mes préjugés, parce que c'est exactement ça. Hein? La police montée apparaît, comme il l'a dit, fin 19e, pour créer un Ouest canadien protestant et anglo-saxon. Pendant longtemps, les villes en Occident, dont à Montréal et au Canada, avaient très peu de policiers. C'était quelques individus, quelques dizaines à la limite. La première police moderne à Montréal, elle apparaît au lendemain des rébellions des Patriotes. Et donc, quand il y avait des manifestations, quand il y avait des rassemblements, quand il y avait des émeutes, c'était l'armée qui venait. La GRC, ça apparaît au lendemain de la grève de Winnipeg, grève insurrectionnelle. Et donc ça, c'est vrai jusque dans les années 20. Les émeutes de la conscription à Québec, c'est pas pour rien que c'est l'armée qui vient. C'est parce qu'en fait, il y a quelques policiers à Québec, ils ont pris devant des foules, ils sont juste pas capables de gérer des foules. C'est vrai à Montréal, et ça on parle des parties des étudiants de McGill, des grèves, des fêtes à la Saint-Patrick qui dégénèrent en émeutes. Les services secrets suite à la crise d'octobre, etc., etc. Et au fil du 20e siècle, les corps de police explosent en termes de nombre, en termes de ressources, en termes d'équipement, en termes de formation, dont pour assumer la répression politique. The regiment is led on parade by Baptiste the Goat, a gift from Queen Elizabeth. Ils prennent la place de l'armée. L'armée avant était l'armée du roi, l'armée de l'État, évidemment, et c'est l'armée qui lutte contre les mouvements politiques, et puis ça devient la police. Et puis, 100 ans plus tard, donc au début des années 2000, on a des corps policiers monstrueux. C'est plusieurs milliers de policiers à Montréal. C'est des chiffres complètement farfelus. Ouais, ben, je sais pas si le monde a des punchlines, mais moi j'appelle ça un punchline. Depuis 1990, le crime est en baisse. Fait que moi je me demande vraiment comment ça se fait que la police est munie d'un tank, un fucking camion blindé là.
On l'a remarqué beaucoup, par exemple, à travers le printemps érable. On le sent. Ce dont tu parles, on le sent. Hein? Ils s'habillent de noir, ils ont des nouvelles voitures, sport. C'est là qu'on a pu voir vraiment les policiers utiliser tout un arsenal. Ils se prennent de plus en plus au sérieux. Le peuple, en fait, il considérait qu'une armée permanente, c'était l'outil d'un tyran. Les policiers, bien entendu, défendent leurs propres intérêts en tant que corporation. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a tellement de policiers, c'est des milliers de policiers, qu'effectivement, l'armée, à la limite, c'est pas ça qui est le plus dangereux s'il y a des grands affrontements. Il y a de plus en plus de budget et de plus en plus de policiers, mais vu qu'il y a moins de crimes, il faut qu'ils se trouvent quelque chose à faire, tous ces gens-là. Plus de ressources, plus d'argent, plus d'unités, plus de véhicules, plus d'autobus, plus de tire wrap, plus de photos, plus de... etc. Plus le nombre de policiers va augmenter, plus le nombre de crimes doit conséquemment augmenter. Le nombre d'arrestations montre qu'il y a des problèmes d'ordre public, donc le problème d'ordre public montre que la police de Montréal fait un bon travail. Il y a quelque chose de très, très moderne, voire ultra-moderne là-dedans. Puis c'est toute l'industrie qu'il y a derrière aussi ces bébelles que s'achètent les policiers. Hein. La noire, là? Ouais. Ça, c'est à Québec, c'est une balle de caoutchouc. L'industrie produit des bébelles. Les policiers veulent avoir les nouvelles bébelles. Et plus ils ont de bébelles, plus ils les utilisent. L'absurdité dans tout ça, c'est que de notre côté, on n'a même plus le droit d'avoir, par exemple, un bâton pour tenir une bannière parce que c'est considéré comme une arme. D'un autre côté, ils assument de moins en moins de responsabilités et ils sont de plus en plus prompts à attaquer et à violenter les gens sous prétexte qu'ils sont mis en danger. Le simple fait d'avoir des genouillères ou des coudières, n'importe quel équipement de protection en vertu du code de la loi, c'est une arme. Ils ont attaqué une foule parce qu'ils recevaient des balles de neige. Les gars sont padés, ils ont des gros casques. Et en plus, ils sont entraînés, tout ce que tu voudras. Puis ils reçoivent des grosses, grosses balles de neige. Il y avait un clip aussi qu'a fait le SPVM où le flic se plaint de recevoir des légumes. Il y a eu plusieurs informations qui ont rentré que les gens se remettent de toutes sortes d'objets, dont ils ont volé la plupart des stands de, c'est drôle à dire, des légumes. Mais ils utilisaient aussi des légumes assez durs. Et assez gros en dimension. Des gros légumes, tu sais. L'appareil dont dispose l'État, l'appareil répressif qui est entre les mains de l'État, là, je veux pas être catastrophiste, mais il ferait rougir Staline, il ferait rougir Hitler, il ferait rougir Mussolini, les trois ensemble. Now, this is Sergeant Stuart Queen, your host for The Big Picture. Les flics, ils ont réussi, là-dessus, c'est vraiment poche, mais ils ont vraiment réussi à instaurer un climat de peur et un climat de rester chez vous parce que si vous descendez dans la rue, on vous pogne. Je pense que notre meilleure arme, c'est vraiment de faire face à cette peur-là. La répression policière, elle a l'appui inconditionnel de l'élite politique, mais aussi, elle se produit dans une indifférence généralisée. Deux pièges, je pense, dans lesquels il faut pas tomber. Le premier, évidemment, c'est de s'écraser. Hein? Et de respecter coûte que coûte la loi. Et c'est pour ça que des groupes comme le collectif opposé à la brutalité policière sont si importants. C'est que les sociodémocrates, ils sont pas là. On peut finalement se plier à la volonté de l'adversaire. Alors vous essayerez de gagner une game d'échecs si votre adversaire fait les règles au fur et à mesure. Vous allez voir que c'est très difficile. Vaut mieux ne pas jouer. La brutalité policière, les abus policiers, l'impunité policière, le profilage racial, le profilage social, le profilage politique, ça devrait être un dossier des sociodémocrates, même des libéraux, en fait. C'est des problèmes de droits fondamentaux libéraux, c'est pas besoin d'être radical. Pas besoin d'être anticapitaliste pour dire « Ah ben, la police, elle devrait pas arrêter le monde à cause de leur apparence, de la couleur de leur peau, ou parce que c'est des itinérants, on devrait pas leur tirer dessus, ou parce que c'est des gens qui manifestent en disant « Fuck le capitalisme, on devrait pas les arrêter ». Mais l'autre piège, c'est un peu l'inverse du premier, ça serait de tomber dans une violence... de tomber dans le jeu du face-à-face avec l'État. Il devrait y avoir des comités libéraux contre la brutalité policière. C'est une tentation. Parce que si vous allez dans une manifestation que vous ne pouvez plus, par vos occupations, par votre désobéissance civile, perturber le train-train quotidien de la société, il y a une autre solution, c'est de faire sauter des bombes. Mais c'est une mauvaise solution. C'est tactiquement nul. C'est précisément ça que veut l'État. C'est le terrain qui lui est le plus favorable, c'est celui-là. C'est celui qui lui permet d'accentuer le plus possible la répression. Et c'est des actions qui ne sont pas souvent collectives. Les enjeux sur lesquels le COBP se mobilise, c'est des enjeux que n'importe quel libéral, social-démocrate, devrait trouver totalement scandaleux. Mais au Québec,
il n'y a personne qui bouge. Tout le monde s'en tape. Peut y avoir, je reviens à 2013, plus de 1500 arrestations à Montréal. 1500 arrestations à Montréal. Mm-hmm. Aucun éditorial là-dessus. Non, zéro. Puis si on compare... La presse, Le Devoir, La Gazette, aucun. Zéro. C'est comme s'il y en avait eu 5, c'est comme s'il y avait eu 3 personnes arrêtées, c'est comme s'il y avait eu 0 personnes arrêtées. Il reste quoi? Ben, il reste toute une panoplie d'actions possibles. La lutte pour dénoncer l'impunité policière, c'est la lutte de tous et de toutes. Je sais pas si je peux en parler ici, parce que c'est pas nécessairement légal. C'est pas ma lutte, c'est pas notre lutte, c'est la lutte à tout le monde. Si face à face, c'est difficile de confronter, ben, on y va de billets, on y va avec... On pile sur les pieds si c'est interdit de servir des mains. Ma voix est la voix de toutes les personnes qui sont prêtes à dénoncer cette injustice-là. Si c'est interdit de servir des mains, on donne un coup de boule, mais on continue de se battre. T'as-tu des meilleures solutions que ça? ça reste flou, mais... Ouais. Non. Si on reste silencieux, ben on est coupable par notre silence. Après le printemps de la matraque en 2012, ils disent... On a été tellement efficaces dans nos arrestations de masse que maintenant les policiers du monde entier viennent suivre nos formations. Alors donc, on est fiers d'exporter l'arrestation de masse. C'est un produit québécois, quoi. Le SPVM, en fait, il cache même pas. Il cache même pas. Il essaie même pas de trouver des petites failles, de dire « Ah, oh, bon ben là, on a besoin d'argent à cause de ci, à cause de ça. » C'est juste comme « Bon ben là, pour tous les étudiants qui ont manifesté pendant 6 mois, là, à cette heure, c'est la population au complet qui va payer, puis les quotas de tickets vont être augmentés, puis that's it, that's it. »